Et salut à tous les amis, c'est Xolo et on se retrouve aujourd'hui dans ma première vidéo présentation de mod sur Farming Simulator 2013. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ce beau fen de 936 Vario. Donc vraiment déjà d'aspect extérieur, cherchez le défaut. Non, je veux dire par là qu'il n'y a vraiment rien à dire. Regardez-moi ce beau tracteur. Alors ce Fendt, niveau puissance, je crois qu'on est à 320 chevaux si je me trompe pas. On va vérifier ça tout de suite. Ouais, on a 320 chevaux. Donc moi qui l'ai testé dans divers carrières, il est bien. Il est bien, il fait très réaliste. Le seul souci c'est que quand vous avez des bennes remplies de grains, des fois ça peine quand vous en attelez une ou deux. Enfin, je veux dire quand vous en attelez deux, parce que si vous en attelez une, si ça commence à peiner. Il y a un petit souci. Non, non, mais il est vraiment bien, il accomplit bien ses tâches. Bon, faut pas trop demander, lui atteler une charrue à l'avant, à l'arrière, et lui demander de tracter ça en côte. Là, ça va être un peu compliqué. Rappelez-vous qu'on est en MR, hein. On est réalistique, donc ça essaye d'être le plus fidèle possible. Donc, on va tout de suite rentrer à l'intérieur. Donc, déjà le bruit de démarrage. Rend super cool. Alors, la première chose qu'on voit, c'est qu'on a un bras. Chose qu'on n'a pas dans les autres tracteurs. Et voilà. Et ce bras, par contre, il bouge. Et ça, c'est vraiment super. Regardez-moi ça. L'animation est juste... excusez-moi. Génial. C'est vraiment super réaliste. Regardez, même le petit joystick est vraiment super bien reproduit. Donc, c'est vraiment super. On entend bien en plus le tracteur monte en puissance. Voilà, je lâche l'accélérateur. Voilà, il continue d'avancer. Donc, c'est vraiment bien fait en MR, bien sûr. Donc bien sûr on peut ouvrir la porte ou la fermer, donc voilà, donc moi j'avais déjà ouverte. On peut ouvrir le petit toit dessus, donc j'avais ouvert tout à l'heure. Et là aussi, on peut aussi mettre les carrages à l'intérieur. Donc voilà, donc mode très complet, très complet. Donc voilà, donc moi je vous le recommande, donc je vous mettrai bien sûr le lien du site où on peut trouver plein de tracteurs en moralistique et bien sûr d'autres outils. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle présentation de mode. Allez, salut à tous.